Si j'étais pas ivoirien, je serais. Pff, en tout cas, pas congolais, c'est sûr. Oh. Bienvenue, monsieur, dans cette nouvelle vidéo. C'est des Game Pro. C'est le retour de micro-trottoir. J'étais en déplacement. Là, je suis revenu en forme, les gars. Alors, le thème d'aujourd'hui, si tu étais un Africain, de quelle nationalité aimerais-tu être? Ah oui, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Lâchez-vous dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Même si tu es un Africain ou une Africaine, à part tes origines, tu aimerais bien avoir quelle nationalité africaine? Lâchez-vous dans l'espace commentaire. On se retrouve au prochain numéro. Bonjour. Bonjour. Alors madame, bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous êtes de quelle origine? Je suis française. Française, ah là là. Et moi, devinez, je suis... Français? Non. Bah, je sais pas, ça pourrait. Moi, je suis polonais, moi. Bah, c'est flagrant. Non, je rigole. Alors dites-moi, si vous étiez africaine, ouais, de quelle nationalité aimeriez-vous être? C'est une bonne question que je me suis jamais posée. J'ai des origines algériennes. Voilà. C'est ça qui nous fascine, vous aimeriez bien. Bah, ça remonte à il y a un petit moment, donc je me suis jamais trop posé la question. Très honnêtement. Là on peut dire l'Algérie quoi. Bah c'est mes origines, donc ouais, pourquoi pas. D'accord. Alors une dernière question, bon à part l'Algérie. Ouais. Ah à part l'Algérie. Ouais. Bah je connais pas bien l'Afrique. Vous me posez une colle là. D'accord, on va enchaîner sur les. Il y en a plein des pays, mais. Mais aucun on arrive encore sur le mont. Voilà. Une dernière question, madame. Non. D'accord. En tout cas, je remercie beaucoup. Voilà, pas de soucis. Merci. C'est YouTube. Vous êtes de quelle origine, non? On est français. D'accord. Alors la question, juste à part des Africains. J'espère que vous connaissez un peu l'Afrique aussi, non? Vous aimez aussi pas mal les cultures africaines. Et vu que vous êtes français, si vous n'étiez pas français, de quelle origine africaine aimeriez-vous être? Alors là, vous nous posez une de ces questions. Je connais pas beaucoup les origines. Ah, franchement, j'ai des amis, ils sont congolais, ils sont marrants, les congolais. je dirais Cameroun. Cameroun. Ouais. Pour avoir mangé camerounais. Par rapport à leur repas ou pour la bouffe. La bouffe, hein. Ouais. Trop mangé. Hein. À vous. Est-ce que t'as déjà mangé le repas camerounais ou... Ouais. Il y a un resto africain là à côté, là derrière. Une bonne adresse. À côté, ouais. Tu peux me dire pourquoi Congo? Pourquoi? Pourquoi l'origine congolaise? Je sais pas, j'ai des potes congolais, je les aime bien, ils sont pas prises de tête, ils sont marrants. D'accord. Les infidèles aussi, hein, il paraît. Ah ouais, mais ça c'est pas des amis quoi. Moi c'est des amis, hein. Moi je surfe avec eux. Hein. C'est pas un problème ça. T'es de quelle origine toi? Moi je suis tunisienne. Tunisienne. Alors, si t'étais pas tunisienne, t'es africaine parce que ça part de l'Afrique, ouais, aujourd'hui. Si t'étais pas tunisienne, mm-hmm, t'aurais aimé avoir quelle nationalité africaine? Congolaise. Congolaise. Il y a deux Congos, hein. Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville. Je pourrais pas te dire, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis congolaises qui me parlent de leur pays, ils montrent des photos, etc. Donc en soi, j'aimerais bien être congolaise. Congolaise. Ouais. Et pourquoi alors? Par rapport à leur culture, leur façon d'être ou leur... Ouais, en fait, ils sont vraiment très ouverts, je trouve. Ils s'exposent, ils portent énormément de couleurs sur eux. Énormément de couleurs. Ouais. Tu te moques pas là? Non, mais c'est vrai. Enfin, mes copines, elles, vraiment, quand je les vois, elles pétillent. C'est genre, j'ai pas longtemps à les chercher quand je veux les voir. Voilà, voilà. Vous êtes de quelle origine? Burkina Faso. Burkina Faso, ah ouais, africaine quoi. Alors, si vous n'étiez pas burkinabé, de quelle origine aimeriez-vous être? Ah non, origine moi, africaine. Burkina Faso. En fait, le terme aujourd'hui, ça parle des Africains en fait. En fait, si vous n'étiez pas africaine, j'ai bien dit en fait, vous aimeriez bien avoir quelle origine africaine? Je sais pas, franchement. Je me suis jamais posé cette question en fait. Et voilà, la raison pour laquelle nous faisons des micro-trottoirs, pour faire parler aux gens, aux questions que les gens n'osent pas peut-être, ou n'y pensent même pas. Je sais pas, Nigeria, Côte d'Ivoire, Nigeria, tout ça j'aime bien. Si on me dit de citer un seul seulement, un seul, juste un seul pays. Nigeria.
Nigérien. Ouais. Ah oui. Par rapport à la langue ou par rapport à quoi en fait? Par rapport à tout. J'aime bien ce pays. La musique. La musique, oui. Voilà. Aïe, 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 aïe. Parce que mon caméraman, la personne qui est derrière la caméra, c'est aussi un youtubeur, c'est un Nigérien. Ah ben voilà. Spécial dédicace à lui, il s'appelle Solo Prod. Voilà. Ben voilà, dédicace à lui. Je vous remercie beaucoup. De rien. Les amis, regardez comment elles sont belles. Hein. Merci, ah ouais. C'est quoi vos réseaux sociaux rapidement? Moi, c'est Didina. Didina, tout Instagram. Tout Instagram, simplement. Didina. Snap, Didina 75. Voilà, et toi? La Mélo avec deux.ds, tiré du bas, Instagram, et Madame La Folle, en Snap. Voilà, les gars, si vous êtes intéressés, venez sur les réseaux sociaux. Alors, très rapidement, vous êtes de quelle origine? Portugaise, arménienne, syrienne. Ah là là, c'est beaucoup, hein? Et toi? Malienne, congolaise, belge. Malienne, congolaise, belge. Alors, si t'étais pas congolaise, parce qu'aujourd'hui ça part de l'Afrique, t'aimerais avoir quelle nationalité africaine? Africaine? Ouais. Soit Nigeria. Ouais, Nigeria. Nigeria. Ouais, j'aime bien ce pays. L'Afrique du Sud, les pays voilà, comme ou, ça. Ou sud-africaine, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, et toi? Moi, je serais. Quelle nationalité africaine aimerais-tu avoir? Est-ce que les Antilles, c'est dans l'Afrique? Non. Non. En Afrique. Moi, si j'aurais aimé, mais c'est pas dans moi, je dirais que c'est les Africains perdus, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas, en vrai. Je sais pas. Ah oui, ça arrive pas. T'as pas des préférences en Afrique, genre des pays c'est qui te fascinent en fait comme pays, genre t'aimerais bien voir quelle nationalité africaine, voilà. Guinée. Ouais. Là t'as répondu au hasard comme ça quoi. Ouais, ça. Aïe 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 aïe. D'accord. Alors dites-moi, vous êtes de quelle origine? Française. Moi aussi. D'accord. Si vous étiez africain, de quelle nationalité aimeriez-vous être? C'est compliqué, il faut... Maroc. Marocain. Kenya. Ah oui. Et pourquoi? Parce que j'aimerais bien visiter le pays. Je trouve ça sympa. Vous avez jamais visité le pays, mais qu'est-ce qui vous attire le plus? Vous regardez sur internet ou... Non, non, c'est juste comme ça, c'est le pays qui me paraît le plus intéressant, c'est tout. D'accord. Et en deuxième position, à part le Kenya? Égypte, parce que j'y suis déjà allée, donc voilà. Voilà. Égypte aussi, ouais. Égypte aussi. Par rapport aux pyramides ou ouais, par rapport à la culture, ouais. Vous étiez quelle origine? Italienne. Italienne. Si vous étiez africain, de quelle origine aimeriez-vous être? L'Afrique du Sud, ça compte? L'Afrique du Sud, sud-africain, quoi. Ouais, parce qu'il y a le rugby et tout, et j'aime bien. Par rapport à ces sports, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, puis d'accord. Le paysage et tout, après, il y en a aussi au nord, mais je connais pas tellement que ça, donc je vais pas dire de bêtises, donc voilà. D'accord. Vous êtes de quelle origine? Française. Française. Française, alors. Si vous étiez africaine, de quelle nationalité aimeriez-vous être? Malienne. Ouais. D'accord, et toi? T'es de quelle origine, toi? Moi, je suis mexicaine. Voilà. Mexicaine, on va dire d'accord. Ça. T'aimerais bien voir quelle origine africaine, si t'es pas mexicaine? Bah, marocaine. Marocaine. Ouais. Et pourquoi marocaine? Bah, j'aime bien le couscous marocain. D'accord. En Afrique? Ouais. Ah, moi, j'aimerais bien... Ah, c'est difficile. C'est difficile, ouais, de choisir. Moi, je pense l'Égypte. Je sais pas, moi, j'aime bien le Sénégal. Ouais, Sénégal, ce qui est bien. Et ouais, l'Égypte. Ah ouais. Ah, j'adore l'Égypte. Pourquoi ces choix? Je sais pas, j'aime trop les gens là-bas, ils sont trop sympas. Et je vois même le Maroc en vrai, ce qui est bien. D'accord. J'ai jamais vu le Maroc, moi. Non, je sais pas, parce que l'Égypte, ça change un peu. C'est un peu à part dans l'Afrique pour ce que j'ai fait. En tout cas, je trouve que c'est ça a vraiment ouais, une énorme culture. C'est sympa. Je sais pas, j'adore l'Égypte. Ouais. Est-ce que tu as déjà fréquenté ces pays? Oui, oui, oui. Ouais, l'Égypte. Qu'est-ce ouais. qui t'a attiré le plus? Je pense. Bah non, j'ai même pas vu les pyramides, c'est ça le pire. Non, c'est vraiment, je sais pas, le désert et puis les gens étaient juste adorables, quoi. Ouais, c'est super gentil, pas du tout. Ouais, c'est ça, par rapport à. Franchement, quand on débarque à Paris, qu'on voit qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Sympas. En tout cas, les amis, pour eux, c'est l'Égypte et pour l'autre, c'est le Sénégal, c'est le Maroc. Ouais. Vous êtes de quelle origine? Française. Française. Que des Françaises aujourd'hui. Alors dites-moi. Si vous étiez africaine, de quelle nationalité aimeriez-vous être? Ben, je vais dire mon mec. Camerounaise. Ah oui, et pourquoi? Parce que mon mec est camerounais, donc... Ah oui. Voilà. Puis dédicace, t'as vu comment il s'appelle? William. William, coucou. Moi, j'en sais rien, Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais, ah ouais. Oh, des xénophobes et tout, la xénophobie. Ouais. Dis-moi pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que je suis allée en vacances là-bas et que j'ai kiffé, donc voilà. C'est plus que la France? Ah, je sais pas.
C'est compliqué, on va être française. J'aimerais bien aussi vivre là-bas un jour, pourquoi pas. On a toujours envie de revenir en France. D'accord. Le pays natal, quoi. Voilà.